Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, c'est Julien et comme d'habitude en ce moment on se retrouve dans une série de vidéos dans lesquelles on apprend, vous et moi, à découvrir les métiers du BTP. Vous voyez le camion là-bas? Bah, y a aussi Blandine, alternante en maçonnerie au BTP CFA Loire. J'y connais absolument rien sur ce métier, mais ça tombe bien, elle va m'expliquer, venez avec moi. Encore un petit peu, hop hop. Salut les gars, ça va? Salut Blandine. Salut. Je peux t'emprunter 5 minutes? Je peux vous la prendre 2 minutes? J'ai 2-3 petites questions à lui poser, ça va? Tu es avec moi? Ouais, je te suis. Allez. Ouah, ça rigole pas, vous bossez là. Faut bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Explique-moi. On est en train de faire des piliers en pierre de taille pour un hall. D'accord, donc là ce que je vois là pour le moment, c'est juste les fondations d'un hall qui va arriver. Non. Ah, j'ai ça, c'est les piliers. Les fondations, c'est le truc en béton, là. Ça fait quelques jours que je commence à faire des vidéos sur le BTP, j'ai pas encore tout compris. Et du coup, tu manipules toutes ces machines, là, que je vois depuis quelques mois. T'as appris comment tout fonctionne? Ça fait plus longtemps que ça, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans? Ouais. Ah ouais. Là, cette année, tu prépares le diplôme? Bah ouais, je passe mon BP. J'ai passé mon CAP déjà, et là, c'est mon BP. Tu le sens bien? Ça va. Regarde. Tu m'embauches? Non. Pourquoi? Et regarde, j'ai mis mes chaussures de chantier, c'est pas pour rien. Bah viens, tu vas t'en servir. Alors dis-moi tout. Ah là, ils sont en train de poser les pierres taille avec la grue du camion. Je vois qu'il y a même des petites cordes. Ça, c'est les cordeaux. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont tirés d'axe en axe, ouais, pour qu'on puisse aligner nos cordeaux et que tous nos piliers soient alignés. Ah ouais, parce que moi, je suis un fou de la symétrie. Alors là, c'est parfait, c'est droit, quoi. Bah oui, si c'est pas droit... Ça va pas. Comment t'as trouvé cette entreprise? Un jour, j'ai débarqué au dépôt, je suis allée le voir et je lui ai dit « Est-ce que vous acceptez de me prendre en apprentissage ?» Il m'a regardé avec des grands yeux, il m'a dit « Bah, on va y réfléchir, on va te tenir au courant. » Ok. Et du coup, bah, je les ai rappelés une semaine après, il m'a dit « Bah écoute, ouais, viens faire l'entretien. » Ok. Donc là, ça y est, c'est, tu rentrais dans le dur. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux jeunes, mais peut-être même plus particulièrement aux filles, qui seraient peut-être un peu fébriles à l'idée de se mettre dans des métiers comme celui-là, pour les encourager justement à faire un peu comme toi et s'épanouir dans un truc plus manuel, tu vois? Qu'il faut surtout pas écouter tout ce qu'on nous dit sur le BTP. Ah ouais? Non, trop d'idées reçues. Ouais. Puis après, pour celles qui ont peur que ce soit trop dur, on force moins qu'avant. Il y a plus de machines. Il y a les Manitou, il y a... On force, hein, c'est sûr. Ouais, mais ouais, on force moins qu'avant et franchement, c'est pas pire. C'est pas pire. Tu travailles dans des conditions comme ça, moi j'ai envie de faire ça tous les jours. Je te jure, c'est trop bien. C'est vrai qu'on est pas mal ici. Ouais. Écoute, je te dérange pas plus longtemps, je te remercie Blandine pour le temps que tu nous as accordé. Ben, merci. Je vois que tu as du boulot, je repasserai pour voir si c'est fini là dans une semaine. Hein. Tu m'as dit 3-4 jours, tu sais quoi, je te laisse une semaine. Ce sera fini. Ce sera fini? Ok, deal. Allez, travaille bien, passe une bonne journée. Merci. Allez, encore pour toi tout. Aussi. Salut, ciao. Salut.